Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr, bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'ai offert des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un plano ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PSK dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTechS. Je te souhaite une bonne chance et une bonne vidéo. Eh bien salut tout le monde, c'est FinTechS, j'espère que vous allez bien. Bien écouté, pour ma part, genre moi, super bien, comme vous aviez au titre miniature de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, comme d'habitude, avant de commencer la vidéo. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à tous abonner à la chaîne YouTube avec la cloche de notification. Et comme d'habitude, on n'oublie pas de mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Cela me fera vraiment super plaisir. #AD dans la boutique Fortnite, du coup, là, vous rentrez tous le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. #AD. Simplement aujourd'hui, je vais vous montrer une toute nouvelle map pour obtenir des V-Bucks gratuitement. Premier état, vous allez rentrer le code de l'île. Du coup, là, il s'agit de ce code-là. Je vous l'affiche également en grand pour les personnes qui veulent tenter d'avoir des V-Bucks gratuitement. Du coup, là, je lance le jeu directement. Je fais jouer et là, je mets bien en partie privée et je lance directement la partie. Une fois arrivé sur le jeu, ce que je vais faire, je vais directement lancer la partie. Du coup, voilà, je vais directement lancer la partie. Et du coup, je dis ici, on doit attendre 5 secondes avant de débloquer la case des V-Bucks. Ici, il nous demande de rentrer un code créateur. Nous, ce qu'on va faire, on va rentrer le code créateur FinTechSB. Voilà, c'est vraiment super simple. Vous rentrez tous le code créateur FinTechSB. Et je vais à la case accepter. Et là, j'attends le petit chargement. Et il y aura blindé de confetti. Du coup, ici, je clique sur la case des V-Bucks. Et là, je fais pour obtenir des V-Bucks. Voilà, utiliser la commande. Du coup, ici j'ai bien obtenu des V-Bucks. Ici, je vais faire la même chose pour obtenir de l'XP. Et là, je suis juste ici. Il nous demande d'attendre 24 heures pour obtenir les V-Bucks gratuitement. Du coup, ici, je suis aussi pour avoir le Battle Pass, mais je l'ai déjà. On va comme essayer. Et du coup, ici, il nous demande également d'attendre 24 heures pour obtenir les V-Bucks gratuitement. Du coup, ici, juste à faire ça. Et là, je fais obtenir les V-Bucks. Du coup, je vais faire ça deux fois. Il me chargera deux fois 13 700 V-Bucks. Et juste ici, on a une autre case pour obtenir soit le skin Renegade Rider, soit un bouton pour avoir un Epic Game, je sais pas trop ce que c'est. Et juste ici, on a un autre distributeur avec des paquets, je sais pas trop ce que c'est. Du coup, ici, nous demande d'attendre 24 heures pour obtenir tous les V-Bucks gratuitement. C'était FinTechS, en espérant au moins que cette vidéo de glitch à Fortnite Battle Royale vous aura plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube 4 créateurs FinTechS dans la boutique Fortnite. Allez, ciao tout le monde.